Yo les gens! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de Seabooster, le seigneur de la galaxie. Tachyon ou Tachyon, je sais pas comment on dit. Donc du coup, ces petits boosters que j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir dedans? Alors, l'extension complète est composée de 48 cartes communes, 20 cartes rares, 14 cartes super rares, 10 cartes ultra rares et 8 cartes secrètes. Donc, c'est plutôt pas mal pour ce style de booster. Donc on est parti pour l'ouverture des 6 boosters. Hop. Bon, si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Hop. À mon avis, elle va être en première. On pourrait mettre derrière, je sais pas, on verra. Forteresse requin, que j'ai déjà. Chevalier de l'Atlantide. Je me rapproche peut-être. Blocage XY. Bouclier Magnium. Formation feu. Que je n'ai pas. Boxeur indomptable. Petite fée. Bête fantôme. Et boxeur indomptable avec protège-dents. Que j'ai déjà. D'ailleurs, c'est moyen pour la première ouverture. Hop là. On va laisser comme ça. Alors, perte de mémoire. Je vais me mettre celui-là. Perte de mémoire. Livre de magie miracle. Boxeur indomptable. Ambidex. Je sais pas si je laissais là. Je sais pas du tout. Requin aigle. Pompon fée, que je n'ai pas. Numéro 105. Boxeur indomptable étoile. Celle-là, elle est stylée. J'aime beaucoup. Bête fantôme. Rayon de dragon. Le dragon de la demi-lune. Et requin kraken. Que je n'ai pas. Et ça, je kiffe. Et je kiffe et je kiffe. Un petit requin en plus dans ma collection. Hop, on va la mettre là-bas. Hop, je regarde juste ça. D'accord. Parti pour le troisième booster, s'il veut bien s'ouvrir. J'ai dit s'il veut bien s'ouvrir, bon, la manière forte. Toujours avoir des petits ciseaux à côté. Alors, guerrier Sonic. Hop là. Petite fée. Mariotte, île de feu. Maître dragon des cours d'air. Celle-là, j'ai pas. Voilà, Tidal, maître dragon des chutes d'eau. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est celle qu'on avait là. Ça, c'est stylé. Boxeur indomptable. Maître dragon de pierre. Une petite sirémure que j'ai déjà. Et maître des dragons des étincelles que je n'ai pas. Donc plutôt pas mal. On est parti pour le quatrième booster. Hop là. Avatar. J'aime beaucoup cette carte. Je l'ai déjà, mais j'aime beaucoup. Avatar, roi de feu. Boxeur en indomptable ambidex. Guerrier Sonic. Elle est vraiment belle cette carte. Vraiment belle. Chevalier de l'Atlantide, que j'ai déjà. Alors, une carte piège. C'est Gérardia. Grenage. Que j'avais déjà, mais je sais pas si je l'avais en brillante. Je sais pas. Encore un petit maître des dragons étincelles. Chevalier Takayama. Non, c'est Tata Kawa, plutôt. Et Bouclier Magnum. C'est-à-dire que les noms, des fois, sont pas évidents. Voilà, l'avant-dernier booster, déjà. Et Kaizabis. D'accord.
Un petit maître dragon des gouttes que je n'ai pas. Perte de mémoire. Petite fée. Bête des glaces. J'aime beaucoup. Joyau du vaillant. Absorption de l'esprit. Absorption de l'esprit, excusez-moi. Confrérie des points de feu, le léopard. Et un boxeur indomptable. Elle tombe beaucoup celle-là. Celle-là, je dois l'avoir en 5 ou 6 exemplaires déjà. Oula, si tu es bête, ouvrir toi. La manière forte. Et le dernier booster. Gagavant. Recharge aérienne. Et l'aurore. Perte de mémoire. Celle-là, je l'avais déjà. Raider, maître des dragons de rocher. Des rochers. Je ne sais pas si je l'ai en. Avec le nom comme ça, je crois. Trident légendaire de l'Atlantique. Ah, requin kraken numéro 2. Ça, je suis content de l'avoir en deux fois. Roi des lutins sauvages. Que j'ai aussi. Et formation feu. Donc voilà, c'est tout pour. C'est tout pour. On a déjà pas mal de cartes. Il y en a ouais, 3-4 qui sont sympas. Donc voilà, j'espère que cette ouverture vous a plu. Et ben on se retrouve demain pour le jugement de la lumière. Hop. Bon, allez, salut à tous. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner. À toutes. Bonne soirée à vous. Ciao.